Chez ce plus T Power, leader mondial du marché des onduleurs industriels, le Covid-19 est arrivé en plusieurs phases. Cela a débuté par 6 semaines de fermeture de son usine en Chine à partir du 23 janvier, puis le confinement chez nous à la mi-mars, avec la possibilité toutefois de poursuivre le travail dans les ateliers à Oindre, suivi de l'arrivée du coronavirus en Inde, où l'entreprise a aussi des sites de production. Pas simple. Et donc aujourd'hui, la situation, c'est que la Chine est à 100%. L'Inde est probablement à 40-50% de sa capacité. La Belgique est à 80-90% de sa capacité. Les États-Unis sont plutôt à 20-30% de leur capacité aujourd'hui. Il a donc fallu transférer la production au gré de l'avancement du virus. Aujourd'hui, dans ce contexte à Oindre, on se réjouit d'une décision stratégique prise il y a longtemps. De garder les outils de production partout. Ça nous permet aujourd'hui une beaucoup plus grande flexibilité et d'être beaucoup plus résilient vis-à-vis de la situation Covid-19 et donc d'être toujours capable de produire quelque part dans le monde. Pour poursuivre la production, les machines ne suffisaient pas. Il a fallu faire face à une autre réalité. Au début, il y a eu une peur de la part du personnel qui a fait qu'on a mis tout le monde en chômage économique jusqu'à ce que toutes les mesures soient prises et soient fonctionnelles au niveau de l'atelier. Des plexiglas pour séparer les gens, des zones de 25 mètres carrés, la disponibilité de masques au sein de l'atelier, la disponibilité de gants. Désormais s'annonce un déconfinement progressif et sans doute une reprise élargie de l'activité économique, en Belgique en tout cas. Donc on est prêt, dès la semaine prochaine, à retourner chez nos clients faire des installations. On a pris toutes les mesures qu'il fallait. Au niveau international, le message que l'on essaye de faire passer, c'est nous sommes présents, nous sommes disponibles, nos produits sont disponibles, on peut vous les livrer rapidement et on essaye de passer d'une opportunité à une autre. Comme dans beaucoup de sociétés sans doute, on constate chez ce plus T-Power une envie des télétravailleurs de pouvoir passer, voir que tout va bien et recroiser les collègues. Le confinement comporte sa part d'inquiétude.